1, 2, 3. Tu commences. Tu chantes. Comme un enfant rempli de rage, tu te sens en décalage, jeté dans l'engrenage, dans ce grand manège qui brille, t'émerveille, ne t'éveille qu'à la consommation. Il faut que la roue tourne, alors on te rend con et mécontent, la roue de la fortune évidemment. Avec le temps, tu t'acharnes à gratter des tickets pour perdre des billets par le biais de la manipulation. Seul règne profits et intérêts. Dis adieu à ta morale et accepte leur dieu. Ton destin, être un panthère entre les mains de quelques gredins qui te baillonnent la bouche. La vie est une partie de poker où on attend que tu te couches. Moi, je me bouche les oreilles pour ne pas être infesté par la rumeur extérieure. La connerie ambiante me donne des aigreurs. Avec les corps. Avec les corps, va. Tout s'en va. Et l'eau se sort. Comme une feuille qui jaunit en plein mois de juillet et que le ver fuit. Tu te foutais de te mettre à l'abri dans l'ombre d'une femme qui sert de prothèse à l'ennui. Tu vois la vie en monochrome et c'est loin d'être le rose quand c'est monotone. À toi. Comme un pit vorace tenu en laisse, vie remplie de menaces et de stress, trop de vitesse, plus assez d'espace pour caser toutes les idées qui me figent sur place. Je ne parle que de déception car j'en ai marre des révolutions, à peine née, déjà essoufflée, récupérée puis balancée dans le trou de la honte, marre de l'hypocrisie qui fonde les liens civilisés, marre de l'injustice qui montre que la justice est du mauvais côté, marre de marcher dans le même sens, dans le même sang, même les mots perdent leur sens, je ne vois plus aucun sens à ma vie si ce n'est m'insurger, je ne peux plus ingurgiter ces mots qui au lieu de consoler mes mots me font acheter du beau, mes seules lectures, la publicité, je vomis l'envers de mon âme, l'enfer de ce drame dont vous êtes tous tachés. Tâchez de toucher ces mots et de goûter leur nécessité d'exister parce que j'ai le cœur à vif. Du mot justice, je suis à vide. Mais son sens est vague et vide. Et va et vient, laissez son refrain. Le temps, c'est de l'argent. Comprends que certains n'ont ni l'un ni l'autre, ni la foi, ni la flamme, ni l'armure, ni les armes. Il ne leur reste que larmes et déprime. Larmes et déprime. Telle est l'arme du crime. Assieds-toi, petit pute. Ouais. C'était hier la soirée, mais j'ai pas venu.
Bon, on y va, les gars. Puis-je vous présenter mon ami? Très honoré, Hazel. Sacré rhume, ben oui. J'ai pris le train, ben oui, et c'était surchauffé, ben oui. Ça, c'est pas fou, ça. Ben oui. Alors, j'ai attrapé un rhume, ben oui. Alors, je me suis acheté de la pommade pour le rhume, ben oui. Et ça n'a rien fait, ben oui. Et là, pour se mettre en colère. Ben oui, ils ont inventé le téléphone. Ben oui, la télévision. Ben oui, le télégraphe. Ben oui, la radio. Ben oui, et pour un simple rhume, ils n'ont toujours rien inventé. Ben oui, les grosses têtes. Ben oui. Dites, monsieur Gruber, mais je remarque là que vous avez une horrible maladie. Tous les trois mots, vous dites? Ben oui. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte? En effet, bien des gens me l'ont déjà dit, ben oui. Tenez! Vous venez tout juste de le redire. Il vous faut perdre cette habitude. Ça devient de pire en pire. Il y a tellement de gens maintenant qui l'ont. Cette manie de dire ben oui, ça devient une maladie. Une épidémie! L'épidémie? Ça c'est terrible ça, ben oui! Venez, vous venez encore de le redire? Voyez-vous, en 1845, le choléra ravageait Munich. Depuis cette époque, Dieu soit loué, nous avons été épargnés par les pestes. Il y a des pestes et des contagions dangereuses et non dangereuses. Depuis quelques années, Soumagne et ses environs, presque toute la province de Liège, sont ravagés par la bain-huit. Celui qui en est atteint ne
symptôme corporel ou psychique. Ai-je lu dans le journal? La tension est normale. Toutes les parties du corps sont intactes, à l'exception de la langue. Cette peste, au lieu de bainouite, on pourrait aussi bien l'appeler linguite. Ai-je lu dans le journal? Ceux qui sont atteints de la bainouite ne peuvent plus être admis à l'hôpital dans le service des troubles de la parole. Et ceci, depuis des années, à cause du manque de place. Oh mon Dieu, c'est terrible. Vous croyez que j'ai déjà la bainouite? Oh, pas tant que ça. Vous dites bainouite à la fin de chaque phrase. Mais il y a des gens qui bientôt ne pourront plus rien dire d'autre que ben oui. Mon ami Wimmer, dans ce cas, il a déjà la ben oui. Comment ça? Vous vous appelez Wimmer? Vous vous êtes présenté sous le nom de ben oui. Parce qu'il ne peut plus rien dire d'autre que ça. Dis quelque chose, Wimmer! Ben oui. Ben oui. Puis ben oui. Puis ben oui. Puis ben oui. Ben oui, ben oui. Puis ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Vous dites pas oui.